this Duke King Julius style. Salutations les murs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la seconde partie de l'épisode 5 sur Itora. Après avoir débloqué un petit pouvoir et commencé notre petite exploration du berceau de l'arbre monde en direction du sanctuaire de Dahlia, nous avons récupéré une nouvelle capacité. Il est temps pour nous de la tester, de continuer notre petite progression pour aller rendre compte de l'état, de la situation du monde actuel à la gardienne du sanctuaire. Mais allons-nous réussir à parvenir jusque-là? Je vous laisse découvrir tout cela. Bon visionnage. Et là, je vais redescendre en pétant des blocs. Ok. En l'air, s'écraser au sol. Avec X. Ouais, ok. Est-ce que je suis obligé de faire X? Ouais, non, c'est bon. Enfin, je suis obligé de faire X, mais je suis pas obligé de prendre les croix directionnelles. Ah ok, donc ça c'est fait, sauf que bon, bah si je meurs, la capacité, faut que je vienne la rechercher quoi. Donc je suppose que le meilleur moyen de redescendre tout en bas sans danger, c'est de passer par ici bien sûr. Ah ouais, direct au feu de camp. Ah bah sauvegarde les gemmes. Donc là, je suis redescendu tout là. Et là, faudrait que... je prends le petit bloc. Par ici. Ok, nickel. Ah, putain, enfoiré. Donc là. Ok, là, y a rien. Ok, bah c'est peut-être comme ça que je vais pouvoir emprunter les autres charbons alors. Ah, par contre, va pas falloir se louper quoi. Hein, parce que là, ça reste quand même assez tendu. Ok. Ah. Ok, bon. En gros, j'y suis encore demain, parce que si je saute tout le temps de travers comme ça... Putain, fais-moi un bon rebond. Putain, mais il repart pas trop dans l'autre sens non plus. Ah, merci bien. Putain. Et là, faut que je fasse un petit saut juste au-dessus. Ah, il y a cette saloperie maintenant qui me gêne. Ok les jeunes, je suis ici. On va attendre que les autres trucs qui pètent là pour aller chercher le coffre. Les jeunes, c'est tendu hein. Ok. Et ça passe. Ok, ça c'est fait. Putain, mais saute plus haut aussi, là. Ah ouais, mais alors pour passer sur l'autre, je vais m'éclater. Ok. Putain, puis elle a du mal à me faire un double saut derrière là, ou à sauter correctement. Putain, là, je suis complètement à côté. Ah bon, on se retrouve quand je suis de l'autre côté, bien sûr. Parce que là, j'y suis encore demain, encore une fois. Ah, quoique. Ok, ça passe. Ah putain, t'es sérieuse ou quoi? Le dernier, faut que tu me loupes.
Genre je rebondis avec mon marteau. Ah putain, mais il se fout de ma gueule. Le dernier, je vais pas le faire. Hein. Vas-y, de la merde, le dernier, je le refais plus. Hein. Je suis où là? Bon, ça c'est le chemin que j'ai emprunté juste avant, ok. Et je vais pas redescendre pour aller chercher le feu de camp. On va retourner au point de départ. Sans se faire mal, c'est mieux. Ah, merci. Ah ouais, si, je peux faire un dash sur les ronces pour les éviter au sol, donc c'est cool. Ah, merci bien. Ah, par contre, est-ce que je peux taper au-dessus? Ouais, bah non. Bah non, forcément. Ce serait trop marrant sinon. Oui, ils m'ont saoulé. Je tape tout le monde. Bon, ce serait peut-être bien qu'on y arrive quand même. Parce que là, ça fait un petit moment qu'on est en train de s'amuser. Ouais, sauf que moi, c'est une roulade que je voulais faire. Enfin, ouais, là, j'ai plus d'endurance. Donc forcément, la roulade, elle est pas terrible. Ah, elle est pas terrible. Et le feu de camp? J'en ai un juste au-dessus. Donc, je vous avoue que là, je vais remonter. Et je vais sauvegarder. Et je vais redescendre. On va aller voir ce qu'il y a à droite. Il y a sûrement la clé de toute façon. Ah, donc va falloir aller la choper. Ok, donc c'est parti. Nous y voilà. Donc là, il y aura un passage pour abaisser la grille. Il y a le levier qui est de l'autre côté. Donc là, j'ai pas le choix. On va sauter. Et ouais. Sachant qu'après, j'ai les charbons de l'autre côté. Ok. Alors donc là, c'est roi à gauche, roi à droite, quoi. Donc on va passer là. Et là, il y a juste un feu de camp. Ok, je vois pas trop l'intérêt du feu de camp là pour le coup. Contrairement à tout à l'heure où il y en aurait fallu besoin d'un à mi-course. Avec tous les charbons qu'il fallait prendre. Aïe. Non, mais là si je me baisse mais qu'elle se baisse pas. Saloperie. Là on va éviter les charbons. Merci. Ouais, forcément je saute pas là où il faut. Oh putain, tu déconnes, grippe-toi au truc. Ok. Putain, la rebelote, je redescends. Je sais pas ce qu'il y aurait eu là, mais quand même. Oh putain, j'ai tenté. Mais c'était pas passé. Ah, donc compliqué. Ah ouais, là il y a un rondouillé. Ce serait bien que ça marche là, par contre, voilà. Ah ouais, vous êtes relou là. Ok, zéro risque. Ah, merci. Ah, t'as le droit de sauter, hein, par contre.
Voilà, tu te laisses tomber. Ok, donc là, deux chemins potentiels. Je sais pas si... ouais, je peux tirer un petit peu la caméra vers le bas. Là, ça va assez rapidement avec ce coup-là. Hein. Ah, et on descend encore pour pas changer. Oh, putain. Ouais, fais-moi ça, là. Putain, mais je comprends pas pourquoi là, elle me fout un coup de hache alors que j'appuie sur X. Putain, mais... La blague. Mais merde, elle se fout de ma gueule. Putain, là. Ah bah enfin. Ah ouais, la vaste blague. Voilà, donc là... faut tout péter, quoi. Faut tout péter du long. Bah, je vais prendre celui du milieu. Il hein. N'y a pas genre des chemins qui diffèrent. Attendez, là, il y a un coffre. Ouais, c'est le jeu de la blague, quoi. Donc là, il y a un rebord. Et là, ça change rien. Ok. Ouais, bon, on va taper là. Hein. Voilà. Comme ça. Là, je suis tranquille. Ah, la blague. Genre, je suis derrière, mais je me prends quand même des tatanes. Ah, puis là, j'ai un gros. Ah ouais, d'accord. Il peut aussi mettre des coups vers le haut. Ah, merci, je suis désolé, chef. Là, je suis censé faire quoi, là? Il rigole ou quoi? Putain, mais il sert à moins que je fasse ça. Ouais, ok, d'accord. Merci. Ok. On va éviter ces pics. Ah, donc là, c'est bon. Un petit feu de camp, là, merci. Ok, alors au-dessus, je sais pas ce qu'il y aurait. Mais il y aurait potentiellement un chemin, mais... je sais pas comment y aller, hein. C'est peut-être si j'avais pris l'autre passage. Je sais pas, à moins que j'avance par ici, ça va me faire atterrir là, de ce côté. Putain, mais... Ah, saute correctement, là. Putain, et là, on t'a pas demandé de te baisser, là.
Ah, des fois, elle a du mal. Hein. Ah, merci bien. Ah, est-ce que là, ça aurait pas été le feu de camp en dessous? Ouais, si. En gros, j'ai fait tout le tour juste pour ça. Ah non, reste toute droite, s'il te plaît, là. Ouais, putain, les cons, celle-là, des fois. Bon, là, c'est moi qui ai sauté dedans. Je pensais que ça allait passer, mais... Putain, je le sens venir. Je préférais me soigner avant parce que je sentais le drame arriver là. J'étais à deux doigts déjà de me manger son pic en me soignant alors. Putain, mais faut pas déconner. Ok, super. Arrête-toi sur le petit. Ah là, j'en étais sûr. Ok, mur chaud de retour ici. Ce qui ne garantit rien de bon. Je vais sauter directement sur le deuxième. Merde. Faut que j'évite de vouloir aller trop vite quoi. Alors, on va rebondir ici. Ok, je vais atterrir directement là. Par contre, si tu peux te tourner dans l'autre sens. Ah, ça m'arrangerait bien. Il n'y avait pas genre un coffre en dessous ou... Bon, a priori, non. Donc, j'ai foncé directement par là. Ah, où est-ce qu'on est paumé là? Je ne sais point, mais par contre, ça descend encore. Est-ce qu'il serait pas mieux de... Peut-être d'abord passer là pour voir. Ah, merci bien. Ah, j'irai voir en bas après les gemmes. Donc là... Putain. Cette saloperie qui va me saouler là. Allez, ramène-toi. Putain, loupé. Ah ouais, ok, super. Putain, je joue avec le feu là. Bon, c'est bien, c'est qu'ils se sont fait péter. Ils se sont fait péter ensemble. Ah, j'ai l'impression que je suis en train de remonter. Et d'aller du côté de la salle. Et je sais pas si c'est du côté du portail. Écoutez, je vais redescendre d'abord. Et je finirai de monter après. Hein. Ok. Me voici, me voilà. On va descendre ici. Ah, il y a plein de cases à péter, les. Je
pas si celle-là. Non, ça, je peux pas les péter. Ok. Ok, je peux pas les taper sur les côtés, donc le seul chemin possible, c'est par ici. Ah ouais, c'est vrai que soit je peux peut-être les péter comme ça. Ah, attendez, il y a un levier là. Ah, faut que j'arrive à y aller, hein. Parce que de toute façon, c'est peut-être pour la grille où je suis. Donc, ouais, j'ai pas le choix, faut que je remonte. Mais faut que je trouve le passage. Ah bah, je peux faire ça comme ça, là. Ah là, il y a un autre levier aussi à côté. Ok. Je sais pas si c'est celui que j'avais vu. Voilà, il y a des chances, il n'y a rien d'autre. Ok, c'est reparti. Ah, pour un coffre. Ok, bah écoutez, je remonte maintenant. Hein. Ok. Modeste plume machin touché. Et ça, un écho fossilisé, ok. Putain, tiens leur truc. Ah bah c'est reparti hein. Ok mur, je suis arrivé devant la porte. Bon malheureusement je l'ai ouvert sans vous. J'ai pas vu que mon record s'était impromptement coupé. Donc on va s'avancer par ici messieurs dames. Et aller voir ce qui se cache là-bas. Ok, c'est marrant, c'est que j'ai foncé du côté gauche. Et me voilà maintenant du côté droit. On a changé à... Voilà, le côté de la vue. Je vais sauvegarder ici. Ah, merci bien. Donc maintenant, on va passer là. Je sais pas. Ok, petite cinématique. Cette salle. Nous avons dû attendre le sanctuaire intérieur. D'ailleurs, dans le coffre qu'il y avait de l'autre côté, justement en haut du portail, c'était la clé fleurale. Je sais pas si je l'ai encore dans mon inventaire, mais donc je l'ai pris, je suis redescendu et... Et nous voici, nous voilà avec Dahlia, qui a l'air d'être corrompue. Ça promet. L'épidémie l'a déjà eu. Suivez-moi. Ouais, on va vite se barrer. Après, il aurait peut-être fallu essayer de la raisonner. Ok, j'ai compris. Il va falloir la raisonner. On dirait que nous n'avons pas le choix. Ouais, bah oui, j'ai remarqué. Ah, c'est la merde. Ok. Oh, c'est la reine du tourbilol. Ouais, d'accord. Putain. Ah, je vais taper tous ceux qui sont de ce côté. Oh la saleté. Oh la saleté. Ouais d'accord, ok. Je sais pas si je peux vraiment prendre un coup de liane ou si c'est juste pour le style. Ok, alors là elle est repartie de l'autre côté. Aïe. Non mais mets-moi un coup de hache vers le bas. Ok.
Totale concentration les jambes. Putain, on fait yesh avec ces plantes là. Oh putain, mais tape toi. Aïe. Ah, je me suis vraiment pris un coup dans la tronche. Ce qui est chiant, c'est qu'on voit pas sa barre de vie. Et là, je peux rien lui faire, quoi. Ah ouais. Et je peux même pas la taper quand elle est en mode basique. Ça te dirait de... Ouais. Ah mais... Putain mais me fait pas un double saut. Mais elle est con celle-là. Me fait pas un double saut là. Saute-lui sur la tronche. Ah bah écoutez, c'est mort hein, pour aujourd'hui. On essaiera la prochaine fois. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si tel cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et un petit commentaire. Et si vous voulez pas louper la suite de nos aventures, eh bien n'hésitez pas à vous abonner ainsi que d'activer la cloche de notification pour être tenu au courant de tout cela. Sur ce, moi, je vous laisse. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao tout le monde et surveillez bien. Excellent! Oh, donc, il me faut simplement quelqu'un. On lève le doigt. Les doigts, les doigts, les doigts! Allez, allez, il me faut une personne, par exemple, quelqu'un qui n'a jamais trouvé l'amour, qui pourrait regarder la mort pile poil dans l'œil. Un authentique héros! Vite! Avant de retrouver l'usage de notre cerveau!